Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter deux petites cartes que j'ai faites pour utiliser le matériel de chez Action que j'ai acheté il y a quelque temps déjà. Voilà, donc voilà, j'ai fait ces deux cartes. Alors voici la première. Ceci. Et voici la deuxième. Le style tropical, on va dire. C'est pas des choses que je fais souvent, mais je me suis dit bon allez, pourquoi pas, je me lance. Et ma foi, bah, je suis assez contente du résultat. Je suis contente de moi, donc ça va. Voilà. Alors pour faire ces deux cartes, j'ai utilisé ce daillé si casseur d'embossage plus daille de chez Action. Je vais y arriver. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, je trouve qu'il est vraiment vraiment sympa. Ça m'aime vraiment bien. Alors j'ai découpé et embossé avec le papier comme ceci de chez Action. Donc j'ai pris une feuille, une verte et une jaune, voilà, que j'ai embossé et découpé. Alors la feuille verte, je l'ai mise sur le papier jaune, et la feuille jaune, je l'ai mise sur le papier vert pour inverser. En dessous, comme il y a des trous aux feuilles, j'ai mis du papier vert comme ceci, que j'ai pris dans ces bandes de papier là, qui sont bien utiles parce qu'on a plein de teintes. Donc j'ai collé ce papier-là vert, je ne sais plus lequel que c'est, ça doit être celui-ci je crois. Je l'ai collé en dessous pour qu'il y ait un peu de relief quand même. Parce que sinon ça aurait directement tombé sur les dessous de carte, donc ça n'aurait pas été. Voilà. Ça je l'ai découpé avec ce die-ci. Le rajouter ici là pour que ça fasse un petit peu plus de relief, puisque ça meuble un petit peu la page. Voilà. Alors le toucan et le perroquet. Alors le perroquet, je l'ai pris dans ce set-ci que j'ai acheté chez Action il n'y a pas très longtemps. Je vous ai fait le haul. Donc le perroquet vient de cette planche-ci. Il est quelque part là-dedans. Il est là. Ici, voilà. Et le toucan, je l'ai pris dans un autre set que j'avais eu il y a quelque temps. Voilà, le toucan, il est ici. Voilà. Donc, je me suis servi de ces deux sets pour récupérer les deux là. Et la feuille là, elle vient d'un des deux sets. Alors, je ne sais plus si c'est celui. Ah ben, c'est dans le dernier, dans celui-ci. La feuille là vient aussi de set de papier ici. Voilà. Bon, il y a déjà de quoi faire hein, dans les paquets hein, si on veut. Voilà. Alors j'ai fait des découpes en noir, Hello et bisous, pour que ça ressorte un petit peu vu qu'il y a du noir là, du noir là. J'ai pris le washi tape de chez Action pour faire une bande en haut et une bande en bas de chaque carte. Donc j'ai pris celui avec les feuilles. J'en ai pas encore retrouvé, mais dès que j'en vois, j'en reprends parce qu'il est vraiment bien celui-ci. Il est vraiment beau. Voilà, ça meuble un petit peu la carte, sinon ça aurait fait un peu vide. J'ai mis des petites perles là. Celles-ci, je les avais eues chez Nose. Et celles-ci qui viennent de chez Ziman, noir. Ici et ici. Voilà. Et les fonds de cartes, ce sont des papiers d'anciens blocs de chez Action. Celui-ci, il date déjà celui-ci. Donc j'ai pris celui-ci avec du vert, du jaune pour rappeler un petit peu les couleurs du toucan là. Voilà. Et celle-ci, j'ai pris. Une
celui-ci. Voilà, c'est pareil, ça c'en est un qui date déjà de l'année dernière, je sais plus quand. Et celui-ci, il faisait un petit peu tropical aussi avec les toucans. J'avais fait des ATC avec celui-ci. Voilà. Mes deux petites cartes sont assez rapides à réaliser et ça change un petit peu de ce qu'on a, enfin de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, alors je vous les remontre, je vous mettrai des photos de toute façon à la fin de la vidéo. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis au revoir et à bientôt.